surpris parce que très très rapidement, sous seulement 2-3 couches de peinture, ce qui est vraiment relativement peu, je suis immédiatement tombé sur cette fresque du 15e siècle dans un état extraordinaire de conservation, puis avec des vivacités de couleurs incroyables. Thématique qui se développe fortement à l'époque médiévale. En plus, ici, on était dans un prieuré bénédictin, donc il y avait un culte marial fort. Et puis, vous avez de part et d'autre, à gauche et à droite, deux personnages en prière qui sont certainement les donateurs, les financeurs, en fait, de ces peintures. Elle est très ouvragée, le niveau de technique montre que c'est un grand atelier qui a réalisé cette peinture, donc un atelier qui travaille pour les grandes têtes couronnées, pour les grands évêchés, les principautés. On connaît très bien ici dans la région Giacomo Giacario, ça pourrait être un membre de son atelier. Donc pour le département en fait tout entier, et pas seulement pour le village de Saint-Paul, du coup cette découverte est fondamentale et heureuse. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.